On vous fait un room tour. Bienvenue. Les autres, bien vu en fait. Ah ouais? Ah ma vie! Les clubs, c'est pas cher là, on est d'accord? Ouais! Bye! Ça va faire le plein, ma soeur. Ouais, bonjour, bienvenue. Comment va la main? La main va bien, regarde. C'est presque plus gonflé. Je peux ne pas porter d'attelle, donc ça c'est bien. Guys, aujourd'hui on part à Milan. J'ai trop fucking hâte. Et du coup, je suis venu prendre le kawa avant de prendre le taxi. On va faire mon anniversaire à Milan. J'ai trop hâte. Tu sais que Guys, depuis le début, il veut que nier mon anniversaire. Genre, il oublie la date, mais c'est pas grave. Parce que je sais vraiment pas. Comment on fait quand on sait pas? Mais tu regardes sur internet. Je suis pas une personnalité publique pour rien. Genre, tu vas sur Google, tu tapes mon nom, il y a mon anniversaire en fait. Ah ouais? Quand est l'anniversaire de Spardiz? Spardiz birthday. Ah! Ouah. Ah! Yo! 24 octobre. Soon. C'est bon, on a passé toutes les portiques, tout ce qu'il faut faire. Du coup, j'ai trop hâte d'arriver à Milan. Je pars avec Nance. Pour ceux qui n'ont pas compris, Nance, c'est un acteur qui a été embauché par mon label pour jouer mon petit copain. Pour que je puisse être crédible sur les réseaux sociaux et que j'ai des choses à raconter et tout. Donc du coup, ça fait... c'est ton troisième mois de contrat avec moi. Comment tu te sens? Je sais pas les mots. Il n'en peut plus de mes bêtises. J'ai essayé de le tuer à Bali, j'ai pas réussi. Oh my god. Le serpent, le remake. Merde. Tu me tues en Italie cette fois? Non, on va essayer. Oh my god. Wow. Des choses à balancer. Filme tes chaussures, toi. Les chaussures, c'est fait pour être porté, genre. A fag is born. Mais laisse-le tranquille. Je vais lui raconter sa manette. Ça marche pas. Comment ça marche? Il parle genre pas français. Il a débranché ma manette pour pas que je joue avec lui. Méchant. Ah, regarde. Ma manette, c'est elle, si est éteinte. C'est lui, regarde. C'est faux. Je vais faire comme les enfants, je vais faire semblant. Non, mais je suis toujours pas là. Tu veux essayer? C'est pas très amusant. Ah! Non. Là. Ah. Slay. Ah non, ça joue pas à deux. Mais si, regarde. On leur dit qu'on a déjà attendu pendant 14 heures dans un aéroport en Inde. Exactement, 15 heures. 15 heures. On arrivait à 8 heures du mat et on repartait à genre 23 heures. Et qu'est-ce qu'on foutait? On a bouffé à tous les stands. On a fait tellement que manger. Et que acheter des choses. J'ai acheté 4 jeans Levi's, des cigarettes et des jeans Levi's. Et au bout de 15 heures d'escale, c'est à ce moment-là que la sécurité décide de m'arrêter. La police, pour me dire qu'il y avait des trucs dans ma valise qui n'allaient pas. Et c'était ces batteries portables qu'ils ont jetées. Attends, je comprends pas. Non! Ah, putain, j'ai gagné! T'es chaud, toi! Merci! Ah merde! On arrive à l'hôtel et il est trop sly. Ça sent bon, en vrai ça me rappelle mon enfance quand j'allais en Italie. Ça avait les mêmes odeurs. Ça sent le... Les Italiens, ils ont du goût en termes de parfum. C'est vrai. Bon, on va manger, j'ai trop hâte. Ouais, j'ai trop hâte.
Juste attends, j'enlève mon pull parce que je crève de chaud. Guys, je pensais que genre, comme il fait super froid à Paris actuellement, je pensais qu'il allait faire froid ici parce que Milan c'est dans la montagne. Mais en fait, pas du tout, genre il fait super chaud. Archia. On prolonge l'été. Milano! Ah, oh my god, elle est trop souillée cette casquette. Ouais, si, ça merde. Essaye celle-là pour voir, ça va. Vas-y, envoie des casquettes, ça va, la petite vie. Putain, elle te va trop bien. Ouais. Merci. Ah! T'es sûr? Oh putain, merde. Hey. This is Châtelet. C'est vrai? Yeah. Tu connais pas la marque? Châtelet. Ugly Pussy. Châtelet. Comment on dit Châtelet en anglais? Châtelain? Châtelet. Châtelet? Ouais. Ugly Pussy. Châtelet. Léna? Léna ma fou. Léna my pussy. Léna my pussy. J'étais à l'hôtel my pussy. Bon guys, l'heure est grave. Guys, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Et on a pris des tenues comme si on était le 26 décembre. On s'est vraiment préparé dans l'hiver de Paris. J'ai vraiment une veste énorme en cuir qui porte bien trop chaud. So how do you say thank you very much? Grazie mille. Ah, grazie mille. Hey, il veut pas me croire, mais je suis vraiment italien. J'ai du sang italien pour de vrai. Oh my god. It's a party. Ce soir, on fait la fête, en fait. Of course, no bar. Non, mais je suis bébé. C'est vraiment un festival pour les influenceurs. Il est en train de se faire coiffer, à tout moment ça passe ou ça casse. Je suis choqué, c'est trop sympa, genre le mood c'est genre festival et tout. Et ça me rappelle mon premier voyage que j'ai fait dans l'influence en 2015-2016, qui était pour Pull & Beer, où ils nous avaient emmenés en Espagne dans un sort de festival qu'ils avaient inventé. Et ça me rappelle grave ça, genre j'aime trop, et c'est la version deluxe. La version 2022, genre hyper slay. Stand there and just pose. Yes. Et donc à la fin, il y a ça. Et ici, il y aura le show. C'est iconique. Il y a un show pour le site About You. Ils se sont dit, c'est la Fashion Week. On s'implante et je trouve ça trop stylé. Il y a des choses qui sont slay, il y a des choses qui sont pas slay du tout. Paradise! Yes! This is paradise. If you know, you know. Yeah, thank you. Bah du coup, on a déjà beaucoup bu. Enfin... Guys, Nance voulait absolument mettre du déodorant et on a trouvé un stand. On leur a fait croire qu'on avait perdu nos valises à l'aéroport pour qu'ils puissent nous donner du déodorant. I need a deodorant. It's not deodorant at all. Bah oui. C'est la crème pour le visage. They lost our luggage in the airport. So we don't have any soap or deodorant. Elles m'ont donné du déodorant, elles m'ont donné de la crème UV30 que je dois porter tout le temps. Elle m'a dit faut que tu portes ça immédiatement. On a dit nos bagages, ils étaient perdus. Parce que pour qu'elle nous donne des produits. Guys, attends. Ah oh, il y a Beyoncé, on y va. Guys, j'ai trop bien. On a trop bien. Viens, on va danser. Oh my god! Ah non, on va encore être trop bourré sur la vidéo là. Oh my god!
Oh my god. Mais oh my god, c'est quoi ça? Oh my god, mais ça go off. Ça y est, on est dans le... Regarde de faire des vidéos là, regarde où on se perd. Ok, oui. Non mais regarde, il y a la police à nos trousses là. J'ai 4 étoiles là. Non, c'est pas la trousse. J'ai 4 étoiles là. Attention. Sorry. Oh my god. On était censé avoir chacun un plus 1. Et là, bah, vous êtes notre plus 2. Oh my god. Ils font peur. Oh my god. Game of Thrones. On sort de Dragon. On a trop peur de Johan et Lance. On a tellement peur de. Oh my god, tu arrêtes. On a peur. On a peur, genre. Oui. Aux abris. Ah. Tu sais que bébé, j'ai regardé tes épisodes. Tu fermes ta gueule. Hustle. Oh my god. Non, mais t'as vu le eye contact que j'ai eu avec lui? Bébé, j'ai vu. Il était si beau. Attends, non. When we pull up, you know it's a shutdown. Oh. Qui a du feu? J'avais du feu. Par les temps anciens. Par les temps anciens. Par les temps anciens, j'avais du feu. Y'a plein de feu. Step for yourself. On m'a offert un standard de poche. Oh. 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 Elle est folle. Bonjour. T'es là depuis le début toi ma vie? Ah salut, enchanté, c'est quoi ton nom? Non, ta gueule. Je connais pas. Je connais pas. C'est qui ma vie? Elle est tellement belle ta vache, par contre je te déteste. Toi, va te faire en... Merci ma petite éclopouf, t'es trop belle aussi. Tu peux avoir des scènes? Merci. On soulignera que les mecs de la sécurité sont beaucoup plus gentils ici qu'à Paris. À Paris, on se serait déjà fait gifler là. Mais à partir du moment où eux, ils seraient arrivés, on serait déjà fait gifler. À partir du moment où ils sont pas arrivés. Non, demain, on est à la rue, il faut qu'on trouve une solution. Mais Johan, j'ai un canapé léger en lit, il y a 2 places dans mon coin. Il est énorme. C'est un canapé double place. Voilà. Ethnicity. You mean ethnicity, pas ethnicity. C'est lui le mec que t'as pécho. Attends, mais j'avoue la honte à MV. MV, c'est lui le mec que t'as ken. MV. You need. Il est 9h40. Le breakfast se finit à 10h, donc dans 20 minutes. Takeover de Nance Worldwide sur le compte de Spardiz. Qu'ils sachent que sans moi, hier, ils seraient morts. Pourquoi on n'est pas mort? Because of Nance Worldwide. Carrément, il abandonnait son téléphone dans le caniveau. Mais on purpose. Genre vraiment, il me regardait dans les yeux. Il jetait son téléphone dans le caniveau. Faut qu'on y aille vraiment. Faut qu'on y aille vraiment, Timmy, là. Chiche! Scus! Oh putain, j'aime trop...
J'ai eu ça comme cadeau, ça va grave avec mon bracelet que j'ai de base. Bon, comme si j'avais pas essayé, mais j'aime quand même pas. Genre, il a un euro de connecté là. Viens, prenez le breakfast, c'est fini en 10 minutes là. Viens. Mais on va quand même toute la night. Putain, t'as réussi à te réveiller, genre. C'était pas évident. Littéralement, 100 ans pour qu'il se réveille. Il a fallu que j'allume toutes les lumières sur le petit truc là, clac, 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 clac. Que je dise d'ici, écoutez de la musique que j'aime sur son téléphone, c'est pas, il y a Blackpink qui se met à fond de balle. C'est trop genre, t'es vivant, alors que ça se voit, il y a rien qui est dans toi. À soif, à faim. Je suis pas. Du jus aussi. Grazie mille. Allez, go. Salami. Grazie mille. Mais en fait, meuf, on n'avait rien mangé hier. Mais si, il y avait des boules incroyables. Si, je t'avais mis dans les bouches. Ah ouais. Des boules de riz qui étaient trop bonnes. Faudrait que je me rappelle que hier j'étais bourré, mais je t'ai quand même dit que. Mais que j'avais un contre toi, j'étais pas mieux avec toi. Non. Hein? Ouais, non, ça va, ça va aller. Arrête! Vous avez vu? Je lance. Mais t'étais pas censé rentrer à New York, toi? J'ai raté mon vol. Bref, à cause de vous, d'ailleurs, c'est vous m'avez fait voir. À cause de nous. Quoi, on est arrivé, t'avais pas besoin de nous pour être bon. Celle-là. Grave, un petit casque. Guys, je ne sais pas faire de cravate. Peut-être que Maëlie va me la faire. Oh my god, mais la cravate, elle est pas stylée, non? How to tie a tie. Donc, ça c'est Hugo Boss, ça c'est une cravate. Cravate. Non, c'est j'ai vu. Jack and Jones. Jack and Jones, ouais, je t'ai vu. Jack and Jones. Ça c'est Cross, c'est à Miley. C'est un short Carhartt. J'ai mes bottes Balenciaga qui sont souillées de ouf. Par la fête, comme on dit. Ma vie, Miley. Donc là, mon assistante, je l'appelle pour qu'elle puisse prendre mes bagages. Là, je me souviens hier, on traversait les quatre voies. Hier, on faisait n'importe quoi. Les quatre voies pourrées, ça nous klaxonnait, lui qui dormait derrière. Donc là, on va au show de Hugo. On va au travail. On va au travail, là. T'as cassé ton téléphone ? Mon téléphone est un peu cassé depuis hier soir, mais bon. Il est 18h, il est déjà trop bourré. Et mais bien, attends, mais regarde, parce que là, regarde, c'est écrit Samsung contribue machin. Mais oui, c'est la loi quand tu mets une pub pour les travaux d'un endroit. Mais regarde, ils l'ont fait en mode pierre et gravure. Ton abonné là. Qui? L'abonné qui a dit Ah, je te suivais quand j'étais au collège et en mode t'es résilient. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Ouais. Vas-y, trois doigts sur le téléphone. Résilient. Définition. Tu restes. Ouais. T'as ouais. De la dureté. Ouais, c'est ça. C'est toi, c'est bien, hein, j'ai vu, t'étais en mode Ah! Ah, je crois que je vais être slay. Regardez, on est giga contro là. Hein? On a le show en live de Roberto Cavalli. Ouais, c'est le vibe avec la chemise qui dépasse là. Je vois que tout est assorti alors que rien ne l'était de base. Je suis choqué. Hein, tu slay de fou là. Je suis très Balenciaga. Balenciaga. Mais quoi, moi je te shame oui, c'est elle, les c'est aussi mais pourquoi t'es toujours violent, putain? C'est un truc de ouf, hein. Non, mais toi, dis-lui aussi. Ouais, il est violent avec toi aussi, mais frère, faut lui dire. Là, c'est pour ça que je me cache. Ah, voilà. Ah, mais non, faut peut-être enlever là. Bon, ouais. Vas-y, enlève. Moi, je tiens. Je croyais qu'il l'avait gardé après. Alors, ça a l'air slay qu'elle a pris. Mais on dirait celui de... Regarde.
Par contre, ça se voit, il y a des pubs. Pourquoi? Non, il n'y a rien. Quoi? Il n'y a pas de plus. Mais quoi? Façon, tu douches pas. Mais non, mais n'y pense pas, regarde pas. Non, mais j'y pense, moi je vois plus, j'ai pas plus de goût. Non, mais meuf, c'est jaune là. Mais ça va, c'est pas très jaune. T'as enlevé? Son fond. Oh! C'est jaune ou c'est mes yeux là? Si, c'est en mode genre normal ou c'est en mode agressif? Genre ça. Ah! Il y a vraiment quelqu'un qui a fait pire que ceci. Bah. Ah, mais l'autre partie, elle est pas du tout confort, les gars. Ouais, non, elle est ouf. Ouais, mais en vrai. Non, ça va pas. C'est peut-être plus rassurant de savoir que personne n'a jamais eu l'idée de faire ça. Oui, c'est mais toi, tu, okay, toi, bah, tu te plaignais pas, donc bah, tu dors là. C'est toi, t'as dit. Mais ça, bien sûr. En... Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Mais parle bien de ma daronne, toi. J'ai juste dit qu'est-ce qu'il y a, Isabelle. Mais je parle pas de ma daronne. Mais oui. Mais en fait, j'ai un background. Mais en fait, pourquoi tu t'allonges là? T'es trop à l'aise, ma vie. Et ouais, j'ai mis tout habitué ici. Ma vie, tu me chauffes ma place, c'est gentil. On retourne le putain de matelas. Et là, je dors là, si tu veux, je dors où tu veux. Mais on retourne. Mais ça va nous irriter. Ouais, il est fort. Pierre. Ah! Je vais voir. Allez, retourne. On retourne. Ah! Il a sa tête de chien. Ça se voit que c'est un chien qui a stressé. C'est un chien qui était assis, il a fait. Venez, on arrête de parler de pipi. Je connais le mec du chien qui stresse. Ah! Non, stop! Et... Si tu veux taper MV, par contre, c'est pas moi. Je... J'ai pété de stress. C'est bon, c'est bon. J'ai vraiment essayé de le mettre vraiment dans ton crâne. Mais c'est toi tu cherches. C'est pas mon côté. Mais gars, vérifie s'il y a pas des draps quelque part en vrai, non? Mais on a déjà fait ça, le conne. Mais il y a que un placard. Mais regarde là-haut, quoi. Ah mais on peut mettre le plaid. Le plaid plein de termites. Hein. Bah oui. Non mais en vrai. Oui j'avoue. Mais on dort quoi? On met le plaid. J'irais bien trop. Et on met une veste sur nous. Mais t'es malade, on est pas au camping, je dors pas avec une veste. Non mais non, c'est en vrai. Joanne. What a life. J'ai des poches remplies de cendriers. Ah bah voilà. On se pose là. Je pars 10. Il n'y a pas être en admiration sur moi comme ça en fait. Je suis juste en train de prendre mon petit déjeuner avec un mégot dans l'assiette. C'est parti pour rien comprendre. C'est beau, on dirait qu'on est dans Game of Thrones. Tu vois la ref? T'as la ref, qu'est-ce que je te dis? Spares! On veut que faire des jardins botaniques à chaque fois qu'on est ensemble en voyage. Non mais ouais, par contre, des plantes, ça, je connais pas du tout. J'ai un ortie, tu sais quoi? Mais il y avait des orties dans ma résidence. Il y a des orties. Il y a des orties? Et je suis tombé à Créteil, il y a des orties. Mais j'habitais pas à Créteil, hein. J'habitais à côté d'une forêt, moi. Toi, tu vas être calme, hein. C'est écrit ce que c'est, ça? Comment je t'ai impressionné, ça se voit. Ah si. Moi aussi, je suis visé. Vas-y. J'ai droit à 3 essais. T'as droit à 3 essais. On peut fumer ici? On a une cendrier portable. On peut fumer où on veut maintenant. T'es peut-être trop drôle aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas, ta tête elle est trop drôle. Drôle en mode. T'as un petit marrant toi.